c'est que... Vous allez accuser les sorciers, c'est pas les sorciers, c'est votre caractère. Tu vois? Et c'est pas les sorciers, c'est votre caractère. Jésus! L'homme là t'a choisi. L'homme là t'a choisi. Mille femmes, mille et une femmes en ville. Mais il a pris ta vie là. Ton loup passé qui est passé en Christ là. À ton loup caractère là, il t'a pris, t'a mis dans la maison. Tu cherches quoi dans son portable? Jésus! Nina, tu cherches quoi dans son portable? Nina! Nina! Nina, tu cherches quoi? Eh hey, Nina, il a pleuré oh. Nina, tu cherches quoi dans son portable? Le monsieur a te marié dans 2 mois. Nina t'est enfouie dans son téléphone. Dis que voilà par là. Nina! You be you. Ton comportement. Et tu as commencé jalousie jusqu'à un temps il a vu tout ce rang là. Et puis c'est toi il l'a mis devant. Bien le Seigneur, tu es devant. Tu t'en cherches quoi derrière? Rentre bien. Et puis quand tu es bien rentré, tu fermes la porte. C'est tout. Il dit, ah, quelqu'un va ça. Tu fermes. Mais ton comportement là va commencer. Moi là, si c'est comme ça, là, c'est que tu ne peux pas te marier. Moi, je n'ai pas le principe, je ne suis pas le mariage. Les esprits de famille te fatiguent. Hein? Je ne peux pas me marier. Oui, demain, je m'en vais. Les sorciers sont en train de fatiguer. Je suis parti. Et tu es parti là. 3 mois après, la fille qui était sur la liste là, il apprend, tu apprends, ils sont en train de se marier. Moi, mais c'est vrai que c'était un faux type, c'est pas un faux type. Il voulait te marier. C'était son plan numéro 1. Mais comme tu t'es mal comporté, le numéro 2 est devenu le numéro 1. Et c'est ainsi que Epassi remplaça Onana. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton caractère peut te fermer des portes. Ton caractère peut te fermer des portes. Et une page comme celle-ci a besoin de pub pour fonctionner. Bien sûr. Le docteur Claudia organise le 18 décembre 2022 une conférence dénommée FestiDiet. Là-bas, vous apprendrez des stratégies efficaces pour gérer les invitations, les pâtisseries et les repas festifs des fêtes. La connaissance aussi des aliments camerounais qui soignent et comment les utiliser pour une détox pendant cette période. Un bilan nutritionnel et un coaching de groupe. La famille, s'il vous plaît, allez chez les professionnels. Laissez les cosmétologues et les chimistes du quartier là. Donc, le lien pour s'inscrire est dans la barre des commentaires. Vous voulez aller étudier où? France, Canada, Russie, Belgique, Turquie, Allemagne et autres pays? Ouais, ne vous dérangez plus. Campus universel est là pour vous. C'est fiable, c'est sûr. Les gars sont chauds. Il y a déjà beaucoup de retours. Les gars sont partis en Belgique jusqu'à... Les amis, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont bons, franchement. Leur contact est en bas de ce flyer-là. Je vais mettre ça en commentaire. Thank you. Ton mari cause avec ses ex tout le temps. Toi, tu veux lui montrer que, bon, oui, moi, je suis évolué. Moi, j'ai confiance. Confiance en quoi? Celui que tu as connu il y a combien d'années? Que tu as grandi avec? Regardez comment les femmes sont naïves, des fois. Ton mari cause avec son ex, il rit, et toi tu es là, je la connais, il n'y a rien, elle est mariée. Continue. Wait. Continue. On t'a dit que dans le jour d'aujourd'hui, le mariage veut dire quelque chose. What? Moi je me rappelle, j'ai été draguée quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. J'étais enceinte de 7 mois, on m'a draguée. Et quand le diable t'attaque par les ruses, c'est pas les démons qui t'envahissent, c'est toi-même qui te ferme les portes. Explique-nous ça, papa, s'il te plaît. Toi-même, tu t'affaiblis et tu pries, Seigneur, aide-moi. Une opportunité vient, ton caractère gâte. Seigneur, aide-moi. Une autre opportunité vient, ton caractère gâte. Mais jusqu'à quand? Prends le temps, remarque. Tout ce que tu dis, non, célibat, blocage et tout là, c'est ton caractère. Dieu commence à t'envoyer des clients et ton mauvais caractère commence à sortir. Tu ne parles mal. Je ne suis pas serré de vous. Et c'est ce que ton client, c'est ton patron. C'est qu'il y a un esprit de pauvreté qui doit attaquer tes affaires. Donc qu'est-ce que le diable fait? Il fait sortir ton caractère, ton orgueil. Vous pensez quoi? Si tu ne veux pas payer ici, si tu ne payes pas, quelqu'un doit venir payer. Mon ami, un client, moins un client, moins un client, égale 0 client. Donc quand tu chasses un, tu es en train de chasser 2. Et un matin, tu vois que tu ouvres ton magasin, tu ne trouves plus quelqu'un venir. Et tout le marché dit, celle-là, elle parle mal aux gens. Oh. Il préfère aller payer chez ton voisin. Même si c'est plus cher, on dit c'est mieux de payer cher et puis on nous insulte pas que de partir payer. Oui, tu es quoi? Parle vite, 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 vite. En plus, c'est un seul bizarre vieux. Tiens, il y a quoi? Oh, vous m'emmerdez, oh, à des clients. Ben, tu penses que tu es trop élevé? Tu n'es pas élevé, tu es soulevé. Tu as glissé pour tomber. Ton caractère va te détruire. Et le diable utilise ton caractère pour décourager les sources de bénédiction. Et quand ils sont découragés, après ça, maintenant, ils. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.